Des routes bloquées et des bouchons interminables, des images que pourraient revivre les Français le 17 novembre prochain. Un mouvement de protestation contre la hausse des prix du carburant rassemble depuis quelques jours des milliers d'automobilistes sur les réseaux sociaux. Dans plusieurs régions, les blocages des principaux axes sont organisés sur Facebook. Munis de gilets jaunes, les manifestants pourraient bien quadriller l'hexagone, comme le montre cette carte interactive réalisée par un contestataire. Une pétition pour la baisse des prix du carburant a par ailleurs recueilli quelques 800 000 signatures. Ce mardi, depuis Verdun, Emmanuel Macron a assuré qu'il ne reculerait pas, mais a proposé d'aider les Français modestes obligés de prendre leur voiture pour travailler. Les prix du sans-plomb et du gazole ont augmenté d'une vingtaine de centimes sur un an en France. Ils ont atteint leur plus haut niveau en plus d'une décennie. Mais le prix à la pompe reste moins cher qu'en Italie. On estime qu'un quart de la hausse des prix est due à l'augmentation de la TICPE, une taxe sur la transition écologique. Le reste est une conséquence de l'augmentation des prix du baril de pétrole. S'il a obtenu la sympathie de plusieurs représentants politiques, les partis d'opposition, comme les syndicats, ont gardé leur distance vis-à-vis du mouvement dit des Gilets jaunes. Seul le Rassemblement national l'a officiellement soutenu.